Thank you.
Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je protège ma peau en allant faire du ski de fond. Je vais déjà me démaquiller avec, je prends des petites lingettes comme ça, Pampers. Alors, pas d'alcool, rien du tout, très neutre. Je vais rajouter ça, de l'eau de rose. Alors, j'aime bien utiliser l'eau de rose parce que ça me dégonfle déjà un peu les yeux du matin. Et en plus, ça rafraîchit et ça sent bon la rose. Quoi. Je vais mettre ça sur les yeux, le temps de décongestionner un peu les yeux et puis appliquer ma crème protectrice. Un peu de ma chantilly de karité pour nourrir déjà un peu la peau, la protéger et puis l'hydrater à l'intérieur. Beurre de karité, huile de coco, vitamine E, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah écoute, je t'invite à aller regarder une de mes vidéos sur YouTube, comment j'ai créé cette chantilly. Donc à chaque fois c'est le même procédé, sauf des fois je rajoute d'autres huiles. Ah oui, il y a de l'huile de calendula aussi à l'intérieur. Donc je vais juste appliquer pas beaucoup hein, parce que j'ai déjà une peau un peu grasse. Alors j'en mets aussi sur les lèvres, en même temps ça me les hydrate et ça me les protège contre le froid qui est à l'extérieur. Là tu peux pas imaginer comment il fait froid dehors. Et en plus ce qui est marrant en fait, à chaque fois que je rentre du ski, j'ai toujours la marque de lunettes. Avant je ne le faisais pas, je ne protégeais pas ma peau et maintenant j'ai compris qu'il fallait le faire en fait. Voilà ma petite base que j'ai mis sur le visage. Ensuite, je vais appliquer celui-là, Nivea. Oui, il faut faire des doubles couches parce que la peau, elle boit énormément quand on est à la montagne. Tout ce que tu peux mettre sur le visage, la crème, le baume à lèvres, en moins de 30 minutes, tu vois, la peau, elle redevient déjà un peu trop sèche. Vaut mieux en mettre beaucoup que pas du tout. Les oreilles aussi. Oh, ça sent bon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Eh bien, c'est tout. Je vais avoir juste mon baume à lèvres dans ma combinaison que j'appliquerai à chaque fois sur les lèvres.
pour les garder toujours hydratés. Donc voilà, c'est assez simple, hein, mais il faut le faire, hein. Il faut bien protéger sa peau. Sinon après elle tiraille quand tu reviens du ski, comme ça c'est assez énorme. Voilà. Je te laisse regarder la suite. On s'en va. Je vais me préparer et puis voir ce qu'on pourra faire au niveau du ski. Alors, aujourd'hui j'étais censée me prendre ma location de raquette au ski de fond, mais il y a une petite rupture parce que tout le monde se rabat un peu dessus vu qu'on ne peut pas skier, les remontées mécaniques sont fermées. Et il y a une sortie chien de traîneau. Malheureusement aussi, le chien de traîneau, on ne peut pas parce que la neige n'est pas suffisamment épaisse, sinon ça va abîmer le traîneau. Donc c'est beaucoup plus la semaine prochaine, on espère que les vacances de la semaine prochaine, qu'ils aient une chute de neige assez conséquente, quoi. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est aller dans une épicerie, trouver un peu les spécialités de la région pour en avoir dans l'appartement. Et puis un petit coup d'apéro, quoi. Ça va nous requinquer. Par contre, ça souffle beaucoup. Et quand je parle, je suis vite essoufflée. Le fait d'être en altitude, l'oxygène est un peu essoufflé, un peu rare pour les citadins. On a toujours besoin d'être essoufflé. Pourtant, c'est pas le cas. Bon, je vais faire des courses. Tchuss. Là, je repars à l'appartement et puis me préparer pour finalement faire un soin détente. Parce qu'au niveau de toutes ces activités un peu que je voulais faire, c'est un peu saturé. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus la journée de demain. Mais donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Et puis, elle est un peu bizarre, hein, cette vidéo. Hein. Je ne fais pas d'activité comme ça, je suis juste en train de parler. C'est bizarre. Allez, tchuss.